Good morning, allez Yiden. L'étude sera aujourd'hui le Lunishmat Amram Yonah ben Chana Bekibat Esther Zabat Mazal Tov Shishporti Simon Bat Lonu Michel Novikov Yaakov Ben Aisha et aussi le Fouat Ruth Bat Claudine Traina Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shavuot Perek Aleph Mishnah Zayin. Echad Israelim Vechad Kohanim Vechad Kohen Mashuach. Ma Ben Israelim Le Kohanim Ol Kohen Mashuach. Ella Shedama Par Mechaper Al Kohanim Al Tumat Migdash Vekodashav. Rabbi Shimon Omer, Keshem Shedam Asair Nesa Bifnim, Mechaper al Israël, Kar Dam Apar Mechaper al Kohanim, Keshem Shevidouyo Shel Seir Amishtaleach, Mechaper al Israël, Kar Vidouyo Shel Par Mechaper al Kohanim. On va continuer le sujet, c'est vraiment, ça continue le même principe que la Mishnah précédente, le plus dur est bien derrière nous, Baruch Hashem. Tout devient relativement calme. Pour vous rappeler malgré tout, on va faire un petit point des korbanot de Yom Kippour et de ce qui sont mechaprim en ajoutant à présent un nouveau korban. Jusqu'à maintenant, on avait parlé de trois seirim, trois boucs qui ont chacun une singularité. Il y a d'abord dans la parashat Shoah de Acharimot, on va parler là-bas que Valakach et Chenea Seirim, et qui va faire le Chene Goralot, Goral Echad Lachem et Goral Echad Lazazel, soit il va tirer au sort, il va prendre deux boucs identiques, il va désigner lequel de ces deux boucs on va égorger et apporter de son sang dans le Kodesh à Kodashim, et lequel de ces deux va, au contraire, porter sur lui toutes les fautes du Ham Israël, et qu'on va l'amener sur une falaise, on va le jeter de la falaise à Yom Kippour. C'est la Avodah de Yom Kippour. Il y avait par ça un autre Seir à Yom Kippour, qui cette fois-ci se trouve dans la Parashat Pinchas. Ouais, dans Bamidbar là-bas où on détaille tous les korbanot qu'on doit porter durant les jours de fête, les korban Moussaf. Là-bas il y a encore un autre Seir, c'est ce qu'on appelle le Seir Anessa Bachutz, celui qui est fait dehors. Attention, ne pas confondre avec le Seir Amishtaleach qu'on va faire sortir complètement du Beth Amikdash. Là on dit le Seir qu'on fait à l'extérieur, c'est à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, on le fait en réalité sur le Misbéach, on le fait dans l'enceinte du Beth Amikdash, d'accord? Donc c'était trois Seirim. Et bien dans la Parashat HaShavua de Acharemot, vous verrez qu'il y a en réalité un autre korban Khatat, qui est cette fois-ci le par du Kohen. Un par, c'est un taureau. Il y a un autre nom, j'oublie, c'est pas grave. Moi, le français, ça va pas du tout. À l'écrit, je m'en sors bien, mais à l'oral, je trouve pas mes mots, je sais pas, c'est rien à faire. En tout cas, voilà, un par, c'est un taureau, un jeune taureau. Et lui aussi, c'est un khatat, maintenant. Donc ça nous fait qu'on a quatre korbanot particuliers. Il y en a d'autres, bien sûr, en plus. Mais pour le moment, quatre korbanot qui nous intéressent, qui sont des khataot. Presque. Il y a le Seir Amishtaleach qu'on va jeter dehors. Lui, il va... Alors maintenant, pour les trois Seirim, chacun de ces fautes, qu'est-ce qu'il venait expier? On avait appris le Seir Anessa Bifnim, le Seir, le bouc qu'on jetait son sang à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Alors lui, venait pour expier la plus grave des fautes de Tumat Mikdash et Kodashav. Lorsqu'on entre impur au Bet HaMikdash, on mange une viande alors qu'on était tamé, une viande Kadosh qu'on nous-mêmes on était tamé. C'est la plus grave des fautes. Sur ça, il faut nécessairement avoir le korban, le Seir Anessa Bifnim, qui nous expie avec deux cas de figure. Le plus grave des shogeg, qui est Yedia Batrila et Pabasov, il avait connaissance avant, il a pris connaissance qu'il a été tamé après, il a oublié, mais pas après. Ou bien le Zdom Tumat Mikdash ou Kodashav, le fait qu'ils sont entrés consciemment, intentionnellement au Bet HaMikdash, en rebelle, il s'est rebellé. Et il a dit, allez, ça va, la Torah. Hein. Et il est entré au Beth Amikdash. D'accord? Sur ces graves fautes-là, alors il faut le top des korbanot pour expier. Soit le Seir Anessa Bifnim. Deuxième niveau, Seir Anessa Bachutz. Le korban Seir, le bouc qu'on faisait à l'extérieur du Beth Amikdash, du Kodesh à Kodashim, on faisait sur le Misbeach Hachitzon. Alors lui, il venait pour celui que Yesh Bayedia Basov, celui qui avait connu, qu'il avait pas réalisé qu'il a été tamé avant de devenir tamé, mais qu'après coup, une fois qu'il est entré au Beth Amikdash, il a réalisé qu'en fait il était tamé quand on est entré en Beth Amikdash. D'accord? Et donc ça, il n'y a pas de korban individuel à apporter. Il s'expira sa faute grâce au Seir Anessa Bachutz de Yom Kippour. Et après, une fois qu'on a résolu ces deux graves fautes, si on peut dire, alors il reste maintenant le Seir Amishtaleach, le bouc émissaire, qui va porter sur lui toutes les fautes du Ham Israël, toutes les autres fautes, de toutes les avérot de la Torah, à l'exception de Tumat Mikdash et Kodashav, tout simplement. Et quand on va le jeter, on va partir le jeter de la falaise, tout le Ham Israël va se faire expier ses fautes. Dans la parasha d'Hashavah, on va découvrir qu'à présent, il y a un par. Il y a, à part ça, un taureau qui est spécifique au Kohen Gadol,
il va, le Kohen Gadol, se repentir, il va faire le vidouille, comme l'important nous dit, Vechiper Badov Ad Beto, il va expier ses fautes grâce à lui. Et en plus de ça, il va, comme on dit à Yom Kippour, il va faire deux fois le vidouille. Il va commencer une première fois à se repentir de ses fautes personnelles et de sa maison. Et puis après, Vechiper Bado, Ova Ad Beto, Ova Ad Kol Echav Akohanim, je ne sais plus comment c'est dans le pasouk, qui va expier aussi par lui toutes les fautes des Kohanim. Soit on a apparemment, et c'est là tout le but de notre Mishnah, de nous expliquer, que vient faire ce par, ce taureau. Le taureau, il vient pour expier quelque chose de particulier au Kohen. La question, c'est quoi? Je vous l'introduis directement, comme ça, ça va aller vite. Selon Tanakama, le par vient faire ce que le Sa'ir Anessa Bifnim fait pour le Ham Israël, soit Zdom Tumat Mikodesh Ham, celui qui est entré consciemment Tamo Bet Hamikdash, ou bien qui avait connaissance avant et pas après, et bien, le Ham Israël se fait expier cette faute-là par le par, justement, par le ce taureau. Le Kohen se fait expier, le Kohen et les Kohanim se font expier cette grave faute-là par le taureau, tandis que toutes les autres fautes des Kohanim, eh ben c'est le bouc émissaire qui va les prendre, et quand on va aller le jeter de la falaise, il va, tous les Kohanim vont se faire expier leurs fautes. Ce sera l'avis de Tanakama, et Rabbi Shimon, lui, va nous dire non. Les Kohanim, ils ont un autre procédé pour se faire expier leurs fautes. Eux, ils ne fonctionnent pas avec le Seir Anessa Bifnim et le Seir Mishtaleach, les deux korbanot, les deux boucs qu'on va désigner celui qui est l'Hachem et celui qu'on va envoyer là à Azazel. Mais les Kohanim, eux, se font expier entièrement par le taureau, ce par du Kohen. D'accord? Toutes ces fautes, soit non seulement les fautes de, du Zdon Tumat Mikdash ou Kodashav, le fait d'être entré consciemment à l'intérieur du Bet Mikdash, et en plus de ça, toutes les autres fautes de la Torah, elles vont tous se les faire expier sur ce taureau, au moment où le Kohen va se repentir sur ses fautes. Et on peut à présent lire, traduire la Mishnah et faire d'entrée le Barthénois Bezat Hashem. Echad Israelim, ve'echad Kohanim, ve'echad Kohen Mashuach. On se rapporte sur la dernière phrase de la Mishnah précédente où on parlait du Sa'ir HaMishtaleach, le bouc émissaire, qui expiait toutes les fautes, comme on avait dit, Chamurot, Kalot, Zdonot, Shgagot, Hoda, Loda, Aselot, Ase, Kritot, Umitot, Bedin, le Sa'ir HaMishtaleach, il est Mechaper. Eh bien, Echad Israelim, c'est une suite. Echad Israelim, ve'echad Kohanim, ve'echad Kohen Mashuach. Qu'il s'agisse du Am Israël simple, ou bien des Kohanim, ou encore même du Kohen Mashuach, du Kohen Gadol, tous, ils se font tous expier par le Seir HaMishtaleach qu'on rapportait dans la Mishnah précédente, le Seir HaMishtaleach, le bouc qu'on va éjecter, qu'on va renvoyer, le bouc émissaire. Alors quoi ? Ma ben Israélim, la Kohanim ou le Kohen Mashuach. Alors quelle est la différence d'expiation entre le Am Israël et les Kohanim ? Il y a quand même une différence explicitée dans le pasouk, de plusieurs endroits, Vechiper, Bado, Bado, Vadkol, Echava, Kohanim, et pour l'âme Israël, Vekila, Mitumot, Ben Israël, il y a marqué le Ben Israël, donc tu vois bien que la Torah m'a fait une différence. Qu'est-ce que tu me dis que le même bouc émissaire expie à tout le monde équitablement? Non, il y a sur un tout petit détail. Et là, chez Dam Hapar, Mechaper à la Kohanim, Altumat Mikdash, Vekedashav. La seule différence, c'est que le Dam Hapar, le sang de ce taureau, il expie les fautes des Kohanim sur les fautes qui concernent la Toumat Mikdash le Kodashav, le fait d'être entré au Bet Hamikdash tamé ou d'avoir mangé de la viande kadosh en étant lui-même tamé. D'accord? C'est clair? Ça, c'est l'avis de Tanakama. Et Rabbi Shimon, il va nous dire non. Les Kohanim, ils sont, comme on dit en yiddish, Anderezach. Autre chose complètement. Ils ont quitté le Sa'ir HaMishtaleach et le Seir Anessa Bifnim, et ils ont un autre moyen, un autre procédé par lequel ils sont expiés leur faute, qui est quoi? Keshem Shedam Asaïr Anessa Bifnim Echaper al Israël, aussi bien, au même titre que le Dam Asaïr, le sang du bouc qu'on fait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, Anessa Bifnim qu'on fait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, Mechaper al Israël, il expie les fautes du Ham Israël, de Toumat Mikdash et Kodashav, entre parenthèses, car Dam Apar Mechaper al Kohanim. C'est vrai, comme toi tu dis, Tanakama, le sang du par, du taureau, va lui aussi, par, c'est le mari de la para, il va lui aussi expier la faute, les fautes, ce même type de faute-là des Kohanim.
Mais puisqu'il y a cette corrélation, ce parallèle entre le Ham Israël qui fonctionne avec leur Saïr, le bouc, et les Kohanim qui fonctionnent avec le taureau, de là je déduis que Shem Shevidouyo Shel Saïr Amishtaleach Mechaper al Israël, car Viduyo Shel Par Mechaper la Kohanim. Aussi bien que le Vidouille, au moment où le Kohen se repentit, il fait le Mitkaper, Khatati Aviti Pashati, comme on dit à Yom Kippour. Keshem Shevidouyo Shel Saïr Amishtaleach Mechaper l'Israël, aussi bien que le vidouille que le Kohen Gadol prononce pour expier toutes les fautes du Ham Israël sur le Saïr Amishtaleach, va faire que le Ham Israël va se faire expier toutes ses fautes. Alors, Kach Vidouyo Shel Par Mechaper al Kohanim, idem que le vidouille que les Tachanunim, quand on se confesse, ouais, j'aime pas ce mot, ça fait. Bref, en tout cas, d'accord, quand on reconnaît ses fautes, quand on dit Khatati Avit Pashati, c'est le vidouille du par, il va être Mechaper pour tous les Kohanim, pour toutes leurs fautes. D'accord ? Donc d'après le Kohen Gadol, les Kohanim n'ont pas de rapport avec le Saïr Amishtaleach, ça ne les concerne pas. Eux, ils sont tous expiés par le par plus précisément le fait qu'on se repentisse, que le Kohen se repentisse au moment qu'il dit Khatati Avit Pashati, quand il les sommaire, c'est quand il va appuyer ses mains sur le par. D'accord ? Sur le taureau. Enfin, présent le Barthénora, Echad Israël et Echad Kohanim, qu'il s'agisse du Ham Israël, ou bien des Kohanim, Achikama, comme ça il faut lire. Ouais, il y a un problème, comme on avait soulevé, la Mishnah, on ne comprend pas de quoi elle parle. Alors il nous dit comme ça, Echad Israël, moi je vous l'ai lu tout à l'heure en expliquant par rapport à la Mishnah précédente, le Barthénora va une petite nuance. Echad Israël et Echad Kohanim, Echad Kohanim, Mashuach, Mitkaprim, Beserah Mishtaleach, Bishar Averot, Ven Chilouk Benem, tous! Le Israël, le Kohen, comme ce qu'on a dit à l'oral, c'est la même chose. Le Israël et le Kohanim et le Kohen Mashouar, tous se font tous expier par le même Saïr Amishtaleach, le bouc émissaire qu'on a évoqué juste à la fin de la première précédente. Et là, alors quelle est la seule différence qu'il y a entre les Kohanim et le Ham Israël? Et là, chez Dam, à part Mechaper à la Kohanim, à Tomat Mikdash, le Kodashav, le sang du par, du taureau, lui, il va expier les fautes des Kohanim en ce qui concerne la faute d'entrer au Beth Mikdash ou de manger de la viande tamée. Kol ma sheSaïr apnimi mechaper al Israël, tout ce que le Saïr, le bouc que le Kohen fait à l'intérieur pour expier les fautes du Ham Israël, il expie. Dehainu, c'est-à-dire Tliyat Israël al Sheyash bayedia b'tchil aben bayedia b'sof. Mais donc tout le monde est mis. C'est-à-dire le fait que le Saïr qu'on fait à l'intérieur, il suspend les Yissourim, les épreuves dues à celui qui est entré au Beth Amikdash alors qu'il était tamé, qu'il avait connaissance avant mais qu'il n'a pas encore réalisé, ou encore l'autre cas où il était Bezadon, Bemezid, consciemment, intentionnellement de fauter. Et alors aussi bien ça, et même plus que ça, quelque chose que je ne vous ai pas dit à l'oral, les Ren Kaparat, Saïr Achitson, idem aussi pour l'expiation du Saïr Achitson, le Saïr qu'on fait sur l'autel, sur le Mizbeach Chitzon, le paro shel Kohen Gadol, akarev b'yom kippur mechaper al Kohanim. Même sur ces fautes-là, le par que le Kohen Gadol va faire va expier par lui toutes les fautes des Kohanim, de Tumat Mikdash ou Kodashav, mais la totale. D'accord ? Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, il dit non. Keshem, aussi bien Shata Modé Bedam Asahir, il vient pour convaincre Tanakama. Aussi bien que toi tu es modé, tu reconnais que Bedam Asahir Apnimiya Shemechaper al Israël, Kaparato Veloshum Vidoui. Aussi bien que autant que tu reconnais que le Sahir que l'on fait à l'intérieur du Kodesh Kodashim, il expie les fautes du Béni Israël, même sans aucun Vidoui. Chez Vidouille, Bessahir Apnimi, dans le Saïr qu'on va porter à l'intérieur, le Kohen Gadol ne va pas être Mitkaper. Et là, Bessahir Amishtaleach, mais uniquement pour le Saïr Amishtaleach, le Saïr que le bouc que le Kohen Gadol va expédier à l'extérieur, qu'on va le jeter de la falaise. Car d'ama part, Bélo Shum Vidouille, Mechaper al Akohanim, al Tomagni Migdash, le Kodashav. On va expliquer une petite nuance après, on finit d'abord le Bartanoa. Aussi bien aussi, le Saïr, le par va expier le Ham Israël au Kohanim, même sans vidouille pour les Tumat Mikdash et Kodashav. Alors dans ce cas-là, Aïterle vidouille shel par, bimkom vidouille shel Saïr Amishtaleach, lechapar al Kohanim, bishar averot, venelem kapara baïsar Amishtaleach. C'est pour ça qu'il a fait. Donc quand la Torah m'a ajouté de dire un vidouille sur le par, forcément, c'est en parallèle avec le vidouille qu'on dit sur le Saïr Amishtaleach, sur le bouc émissaire, qui va. Que ce vidouille-là, le fait de reconnaître, de dire Khatati avite pachati, j'ai fauté, va faire que Vet Mechaper la Kohanim, Bishar Averot va expier toute la vérité des Kohanim, Vedelem Kapara Baisara Mishtaleach, et ils n'ont pas d'autre
ils n'ont pas aucune expiation par le Seir HaMishnah, par le bouc émissaire. Soit, je résume comment Rabbi Shimon vient convaincre Chachamim qu'il a raison. Il leur dit, je ne comprends pas. Selon vous, le Seir HaNesa Bifnim, le bouc qu'on fait à l'intérieur, vient pour expier les fautes de Toumat Mikdash et Kodesh Hav. Maintenant, sur ce bouc-là, le Kohen doit-il prononcer un vidouille? Non. Alors, en parallèle, vous reconnaissez que le par vient expier pour les fautes des Kohanim de Toumat Mikdash et Kodesh Hav. Ben, il n'y a aucune raison de prononcer un vidouille pour se faire expier ces fautes-là. Autant que le Am Israël n'a pas besoin de dire un vidouille pour ses fautes, alors, au même titre, le par des Kohanim n'a pas besoin de dire, on n'a pas besoin de dire sur lui, le Kohen Gadol n'a pas besoin de dire pour lui le vidouille. Alors pourquoi la Torah me dit malgré tout de dire un vidouille sur le par du Kohen? Forcément, il vient en rapport avec ce que je t'ai demandé de faire un vidouille sur un autre Sahir, le Sahir Amishtalear, le bouc émissaire qui va prendre toutes les fautes du Am Israël. C'est pour ça que je t'ai demandé de faire le vidouille sur le par. Donc forcément, le par, le taureau des Kohanim, va lui aussi expier toutes les fautes du Am Israël, des Kohanim, aussi bien que le Sahir Amishtalear, que le bouc émissaire va expier toutes les fautes du Am Israël. D'accord, on s'est compris? Je vous souhaite une excellente journée. Kol Tour Selah.